L'objectif du shaitan, c'est quoi? L'objectif du shaitan, c'est le pousser à désobéir à Allah. Et la plus grande désobéissance, la plus grosse désobéissance, c'est quoi? C'est le shirk. Donc le waswas peut amener quelqu'un à faire le shirk. Et il y a des gens qui ont le waswas dans la tawhid. Il y a des gens qui ont le waswas dans la tawhid. Quand on lui parle de tawhid, il a du mal à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut croire en Allah sans passer par les morts. Comment quelqu'un peut croire en Allah? Parce que dans la doctrine, par exemple, de nous les Bamoun, les gens ont cru en Allah. Ils savent qu'Allah est leur créateur. Mais comme Allah est dans le noir chez eux, on ne peut accéder à Allah qui est dans le noir qu'en passant vers nos ancêtres qui sont déjà dans le noir. Ça veut dire qu'au lieu de parler à Allah, s'adresser à Allah, il faut s'adresser aux ancêtres pour que les ancêtres amènent ça vers Allah. C'est ça le début même du shirk. Et le waswas est venu du fait qu'il n'arrive pas à comprendre que le tawhid veut dire invoquer Allah. Alors qu'Allah dit « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum » Allah dit « Invoquez-moi que je reçois votre doigt. » Ils disent « Non, comment est-ce que je vais invoquer alors que je n'ai pas qualité. Je suis faible. Je suis incapable d'invoquer Allah. Donc je dois passer par les esprits des morts pour que ils amènent ma demande chez Allah subhanahu wa ta'ala. » Le waswas, c'est le trouble que Iblis amène dans l'esprit de l'homme, du fils d'Adam, afin de le perturber dans l'adoration. Et il finit par faire quoi? Par s'égarer. Et la première perturbation, c'est lorsqu'on perturbe le tawhid et que le shirk s'installe. Non. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.